Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pasto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors, comme vous avez dû le voir, j'ai déjà pas mal farmé hein, ce monolithe. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire, comme la dernière fois, du boss niveau 100. Bon allez, c'est parti pour le boss de l'écho. Donc vous voyez, il y a plein d'arbalètes qui vous snipe en permanence. Donc c'est la joie. Ah, il fait ces espèces d'explosions, donc faut rester encore à corps. Après normalement il fait une espèce d'aura à la con. Ah c'est là. Là faut évidemment pas rester dedans. Enfin, toujours la même règle les gars, mobilité, mobilité hein, face au boss. Sinon, problème. Et même avec mobilité les gars, on va pas se mentir. Tant comme moi, vous avez pas vos résists bien à jour. Eh ben, ça peut se payer cash. Alors là, bah les gars, c'est le premier boss d'un monolithe Empower, donc d'un monolithe sans corruption que je fais. Je sais pas ce que ça va donner, les gars. Tant que j'ai pas l'impression que je vois sa barre de vie au truc. Parce qu'il faut pas péter ça. Alors je crois qu'en passif, j'ai un truc qui fait que quand je prends une potion, ça a quand même... globalement des chances en plus de heal d'annuler les effets dont je suis victime, j'imagine, saignement, ralentissement, empoisonnement, etc. Ouais, il invoque des adds, ok. Donc ça signifie que même si je vois pas sa barre de vie, ce qui est un peu gênant, bah, a priori j'avance dans les différentes phases du boss. Il y a quand même énormément d'oiseaux, les gars, là c'est la folie. C'est la volière là. Et en plus que des trucs qui stun. Ouais, faut faire un peu gaffe quand même. Oui, là, je gagnerais à avoir un truc qui accélère le cooldown de ma... de mon sort. Ah, basiquement, là, vous voyez, c'est dash. Dash Frost Claw, boubou, quoi. On en est là et on cherche à attraper, à esquiver les grosses zones. Oh, merde. Ok, c'est bon. Ah, je sais pas où il est là-bas. Oula. Oh putain. Oh là, j'ai un peu bugué, vous voyez. Il faut laisser un peu appuyer pour faire un truc de feu propre. Enfin, un dash de feu. Là je le freeze. Là je me barre, vous voyez à mon avis. Là je me barre aussi. Oh, j'ai réussi. Les gars, j'ai réussi. Voyez, pas simple, hein. C'est ce que je vous disais en fait. Les monolithes niveau 100, ça apprend à jouer son perso dans la mesure où vous comprenez. Comment bien utiliser, à quel moment bien utiliser votre build, vous voyez, la protection, le freeze pour interrupt, le dash, tout en continuant à faire du dommage et en sachant aussi rajouter ça, parce que ça, rappelez-vous, ça en fait un automatique, mais une fois qu'on arrive, on peut en rajouter un. Donc, ouais. Allez les gars, on va tranquillement aller farmer sur le Black Sun. À bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao.